Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'évangile de ce dimanche nous présente le miracle accompli par le Seigneur sur un sourd muet. Ce miracle nous est raconté avec beaucoup de détails. Comme vous savez, le Seigneur accomplissait tous ces miracles de différentes façons. Pour certains, c'était juste un mot suffisait. Pour d'autres, il le faisait de loin. En effet, cette guérison d'aujourd'hui, de l'évangile d'aujourd'hui, est réalisé avec un ensemble de rites, de gestes, qui ont évidemment une signification. Les commentateurs disent que notre Seigneur prononce ici une parabole, mais sans parole, avec ses gestes, et c'est évidemment pour notre instruction. En effet, plusieurs des gestes accomplis lors de ces miracles ont été incorporés par l'Église parmi les rites du baptême, car le Père de l'Église a vu en eux les effets de la foi dans notre âme, de ce que produit la foi dans notre âme. Dans la conception religieuse d'un juif, comme celui qui reçoit le miracle, l'organe de lui est nécessaire, soit pour la connaissance de la religion, car la profession de foi juive commence avec les mots « Écoute Israël », soit aussi pour l'ouverture à la société, pour communiquer avec les autres. Le premier geste de notre Seigneur était donc d'introduire son doigt dans l'oreille de cette personne. Il devait ouvrir lui. Jésus touche la faiblesse humaine, ce qu'on pénètre de la souffrance. C'est l'humanité malade par les péchés qu'il a assumé pour la guérir, et pour cela un père de l'Église voit, dans l'acte de toucher la langue avec sa salive, l'image de l'incarnation de Dieu. La divinité, le Verbe de Dieu, touche l'humanité pour la faire parler la vérité de Dieu. Ensuite, le Seigneur regarde le ciel. Il lève les yeux au ciel, dit Saint Bède, pour nous apprendre que c'est de là que les muets doivent attendre la parole, les sourds, lui, et tous les malades, leur guérison. Après cela, le Seigneur pousse un soupir, comme est traduit notre édition liturgique. Mais en vérité, l'évangéliste dit que le Seigneur a gémi, comme un gémissement causé par la douleur et la souffrance. Et on découvre par là un signe de sa passion, de la passion de Jésus par laquelle il a donné un nouveau sens à la souffrance et à la mort. Selon Saint Jérôme, il nous apprenait ainsi à nous glorifier, non dans notre puissance, dans notre pouvoir, ou dans notre vertu, mais dans la croix et dans l'humiliation. Nous glorifier dans la croix et dans l'humiliation. Mais c'est finalement la parole de Jésus qui accomplit le miracle. Ephphatha, ouvre-toi. La parole n'est pas dirigée aux organes, à la langue ou à lui, mais à la personne tout entière, celle qui reçoit le miracle. On retrouvera ce même verbe, ouvrir. Par exemple, dans l'évangile des disciples d'Emmaüs, au moment de voir rompre les pains, leurs yeux s'ouvrirent, dit l'évangile, et ils reconnurent le Seigneur. Ou bien, juste après, avec les autres disciples, toujours après la résurrection, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Jésus ouvrit leur intelligence. Bien que ce miracle soit souvent appliqué à la vertu de la foi, et au sacrement du baptême, nous pouvons aussi y remarquer, ainsi que dans tous les miracles de guérison, la mission de notre Seigneur comme médecin, non seulement de l'âme, mais aussi du corps. Son amour se dirige vers la personne tout entière, corps et âme. Le Christ nous montre ainsi un amour spécial pour les corps humains, et l'on découvre en lui un grand respect pour les corps. Notre corps et notre âme sont une image de Dieu, mais une image qu'on risque d'essuyer avec précisément l'abus que nous pouvons en faire. Le corps est malheureusement aujourd'hui l'objet d'exploitations publicitaires, économiques et hédonistes qui contribuent à diminuer la dignité de la personne pour la transformer en un instrument de marché. Peu à peu, nous commençons à perdre le respect pour les autres et pour nous-mêmes, et cela pousse à une indifférence devant la dignité de la personne et le sens moral.
C'est à cela, malheureusement, que conduisent actuellement les différentes tendances médiatiques, c'est-à-dire à proposer une beauté seulement extérieure de la personne et à oublier l'intérieur, à oublier l'âme. Nous arrivons maintenant, et nous sommes déjà dans la génération selfie, et cela conduit à beaucoup d'autres maux, nous les constatons dans notre vie. Ce phénomène devient une sorte d'addiction qui pousse à dévoiler l'intimité de notre corps et de notre vie, à nous montrer dans les réseaux, à nous exposer aux autres, en biaisant ce qui est le plus important en nous, l'unité entre l'esprit et le corps. Toute personne parle aussi à travers son corps, parce que son image externe et ses mouvements, ses gestes manifestent et expriment son identité, sa façon de penser, son vouloir, son caractère et sa psychologie. Quel message nous montrons à travers les réseaux sociaux de tout notre être et de toute ma personne, de toute notre personne? Nous ne devons pas oublier ici le secret de la vertu, de la pureté, de la pudeur. La pureté du cœur est préalable à la vision de Dieu. Les purs verront Dieu. Elle nous permet de percevoir le corps humain, le nôtre et celui du prochain, comme un temple de l'Esprit Saint, une manifestation de la beauté divine. Mais la pureté demande de la pudeur. Celle-ci est une partie intégrante de la tempérance. La pudeur préserve l'intimité de la personne. Elle désigne le refus de dévoiler ce qui doit rester caché. Il est ordonné à la chasteté, dont elle atteste la délicatesse. Elle guide le regard et le geste conforme à la dignité des personnes et de leur union. La pudeur protège le mystère des personnes et de leur amour. Elle invite à la patience et à la modération dans les relations, dans la relation d'amour. Elle demande que soient remplies les conditions du don et de l'engagement définitif de l'homme et de la femme entre eux. La pudeur est modestie. Elle inspire les choix du vêtement. Elle maintient le silence ou la réserve là où transparaît le risque d'une curiosité malsaine. Elle se fait discrétion, dit le catéchisme de l'Église catholique. Il existe aussi une pudeur des sentiments, aussi bien que du corps. La pudeur inspire une manière de vivre qui permet de résister aux sollicitations de la mode et à la pression des idéologies dominantes, comme l'idéologie maintenant que nous vivons, l'idéologie de l'exposition des médias. Écoutons encore une fois l'enseignement de Saint Paul dans sa lettre, la première lettre aux Corinthiens. Ne le savez-vous pas? Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Que la Reine du ciel nous donne cette grâce. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.